Alain Debon et le peloton qui termine avec le sprint par Marc Sarro. À quel final, Gérard, le corps de l'équipe. Renaud et le voilà à le bonheur de la plus brusque vie. Vous pouvez l'applaudir plus fort encore. Quel final. Il a réussi, il s'impose et va être félicité par M. Xavier Duchesne, journée générale. Une pleine de Paddy à Barbezieux qui rejoint le podium et qui lui remet le trophée de vainqueur. On rappelle, il a été champion France, champion du monde junior, vainqueur de la Folie Normande, quatrième du Tour Poitou-Charentes, sixième leader, Arnaud Gérard, maillot de premier classement général, dans les coureurs bretons venus des Côtes d'Armor. Voilà donc notre charmante reine du Tour Poitou-Charentes, Miss Tour Poitou-Charentes, qui embrasse Arnaud Gérard. Daniel, le coureur qui vient de la région rennaise, il avait animé le championnat de France. Au futur Oscar, il est le meilleur jeune. Quelle finale déçue, bien entendu, les deuxièmes. Il tourne autour de la victoire. La Colline Normande, il était devant. Aujourd'hui, il termine très fort et termine deuxième. Et va être récompensé par M. Didier Bardot, représentant de la direction de la communication d'Intermarché, qui va donc remettre le maillot orange à Maxime Daniel. Ce soir, Sainte-Herline. Le voilà, Jean-Soin Sainte-Herline. Le coureur venu d'Allemagne qui porte les couleurs de l'équipe Movistar. On le rappelle, il a brillé au Reggio Tour, à la course de l'année. Il a gagné le Tour du Val d'Aoste et il reçoit maintenant le maillot bien fort Charente-Poitou. Monsieur Joseph Giraud, directeur du syndicat des laiteries, remet le maillot de...